Magnifique. Pas de spam. Alors évidemment, quand dans le chat ça spam, pas de spam. Est-ce que c'est du spam? Vous savez, parce que vous, vous êtes jeune. Est-ce que vous savez d'où ça vient l'expression spam? Pourquoi on parle de spam? Eh bien, ça vient d'un sketch des Monty Python des années 80, anglais, où en gros, il y avait un sketch où ils spammaient le mot spam. Et spam, en fait, c'est du jambon, hein, une sorte de vous savez, de viande en dégueulasse, de mauvaise qualité en boîte. Et du coup, ils spammaient ça, ils disaient spam, 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 spam. Et du coup, ça vient de là, spam. Voilà. Voilà, voilà, non mais voilà, c'est vrai que c'est incroyable parce que les streams de Fildrong, on rigole, on s'amuse, mais on apprend des choses. Et d'ailleurs, j'ai décidé que à partir de maintenant, à chaque nouveau live, je vous lirai une anecdote trouvée sur Wikipédia pour illustrer le début du stream. Voilà. Donc maintenant, vous savez tout sur le concept de spam. Bref, salut à tous, c'est Fildrong, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans la suite de Pokémon Steam. Pokémon Steam, du coup, hein, Pokémon Steam. Le Nuzlocke, hein, un peu compliqué. Un peu compliqué, on a eu encore 3 morts la semaine dernière. Alors que pourtant on partait bien, hein, mais on était content de perdre aussi peu de Pokémon au final. On a perdu qui la semaine dernière? Nous avons perdu Nolwenn le roi. Ah oui, alors Covid Dead et Beat en Spoil qui se sont fait one shot par Rhinastock, hein. Ce fut un moment incroyable. On a vraiment aimé, hein. Covid Dead notamment, hein, qui rejoint la grande famille des Pokémon qui n'ont fait absolument rien, hein. Je veux dire, un peu comme voilà, un poiluchon. Poiluchon et Covidaid, hein, c'est sûr que eux ils vont pas marquer, hein, ils n'ont pas fait. Covidaid, il a rien fait. Alors, Poiluchon, il avait quand même lancé la grêle, donc il avait infligé quelques petits dégâts. Covidaid, il est arrivé. Il a pris séisme, je l'ai soigné, il a repris double séisme, il est mort. Donc voilà, hein, il n'a jamais utilisé un seul PP, c'est terrible. Le live est pas lancé. Ouais, t'as raison. Ouais, le live est pas lancé. Ouais, c'est terrible. Hein, le live est pas lancé. Bref, du coup, qu'est-ce qu'on a dans cette équipe? Ah oui. Alors, du coup, hein, évidemment, si vous ne suivez pas les lives après sur Twitch, qui sont très importants dans Pokémon Steam, étant donné que bah, c'est là qu'on essaye de refaire des teams à chaque fois pour survivre. Nous avons à nouveau une team avec des nouveaux membres dans l'équipe. Le premier, c'est évidemment Flabishplouk. Flabishplouk, le Latias, hein, qui va être extrêmement important pour la suite du jeu, étant donné que bah, il est très très fort, il est 31 EV, hein, il est 31 IV, Psychoplénitude, Dracochoc et Soin, donc il est vraiment très fort. Merci Sly le Babat pour ton sponsor, merci beaucoup. Nous avons aussi... Combien de morts ce soir? Ce soir, je dis rien. Parce que à chaque fois que je dis quelque chose, après il y a des morts. Voilà, donc maintenant j'ai décidé que je me taisais. Voilà, il n'y a pas de morts ce soir. Ce soir il n'y a pas de morts. Ensuite nous avons que je ne sais pas si vous l'aviez vu sur YouTube. En tout cas voilà, on joue full def, etc. etc. avec ébullition, coup de jus, toxique, abri. Donc un bon set bien cancérigène. Roselyne évidemment qui est toujours là, il a maintenant Dance Slam en plus de Tête de Fer et Tranche Nuit, il a Dance Slam, donc ça c'est vraiment cool. El Monstruaire qui est un peu ce qui nous sauve, hein, souvent dans cette game, on espère vraiment qu'il arrive jusqu'au bout, on prie, hein, pour qu'il arrive jusqu'au bout ce petit El Monstruaire. Il a Ébullition, Repos, Bâillement et Abri, il a appris Ébullition, donc ça c'est trop bien, on a maintenant enfin accès à Ébullition comme vous pouvez le voir. On a Ernestine qui est du coup le survivant, hein, de la team du début. C'est un peu le seul survivant qu'on a eu à bas niveau parce que celui-là on l'a rencontré Grotte de Glace niveau 5, donc ça fait longtemps qu'il est dans l'équipe. Ce serait bien qu'il arrive loin, mais bon, encore une fois, hein, on espère. Roselyne aussi, on l'avait eu au niveau 14.
Et le dernier Pokémon, évidemment, que je vous ai pas présenté encore, c'est Pelle, le Hipporoi. Donc ça, c'est la forme de Steam de ce Pokémon. Il est type roche et dragon. Il a comme talent lévitation, telluriforce, rayon gemme, dracochoc et machination. Alors on va le tester. En général, les Pokémon qui ont l'air forts comme ça, ils meurent très très vite dans l'aventure. Donc je ne suis pas vraiment sûr. Et maintenant que nous avons tout expliqué et tout préparé, eh bien je vous propose de commencer à reprendre l'aventure. Alors du coup, on va à Bonanza Monta et on devait monter, hein, n'oubliez pas, hein, si mon tonton sera tondu. On devait monter un peu dans notre... voilà, on était là, hein, la route 15. On avait vaincu quelques dresseurs, mais pas des masses. On va essayer Pelle. Vous savez quoi? On va essayer Pelle, comme ça il va mourir tout de suite et vous pourrez dire ah chais. Ne dites pas chais, c'est pas du tout gentil. Moi vous savez, je suis un mec sympa. Je suis pas un méchant. Oh, il y a une CT à droite. Bon, alors c'est parti, regardez. Pelle, rayon gemme. Ah, incroyable. Il est où Pipi? Oh là, oh là, t'as quelques jours de retard. Pipi est mort depuis environ 1 million d'années. Oh là, alors Pelle par contre, il tape fort. Hein. Il tape fort, mais est-ce qu'il tapera bien? C'est ça la question. Lance-flamme! Ouh! Qui apprend lance-flamme? Personne dans mon équipe, je crois. Hein. What? Latias lance-flamme. Latias apprend lance-flamme dans cette version. Est-ce que j'ai racheté des... Ouais, j'ai plein de potions. Ah, le bug des 5 minutes qu'on embrasse, évidemment. Classique. La montagne en face est vraiment très grande. Oh là, c'est beau. Merci beaucoup. Oh, Oniglali. Alors, c'est parti. Le rayon gemme contre Oniglali. Oh. Ok, alors, attention. Je suis faible type combat. Ok. Là maintenant on met Ernestine. Si j'ai vu. Merci beaucoup Kirbou. Allez paf. Oh là là, le sabotage qui est pas passé du coup. Merci beaucoup en tout cas. Allez, on a acrobatie, il nous fait regard noir. Oh, il a tenté le feu follet mais ça n'est pas passé. Ernestine qui montre encore hein, qu'il est présent. Qui dépasse Rio Piqueur. Oh et Bastulon par contre En vrai, on fait vampirisme pour lui casser sa fermeté. Ok, mur de fer, c'est chiant. On est d'accord, il peut rien faire à... Ouais, bah calme. Tu peux setup en défense, c'est bien. Telluriforce, au revoir. Oh, oh, oh. Allez, vas-y, Pelle, tu peux le faire. N'oubliez jamais, il s'appelle Pelle. Non, évidemment, hein, ce n'est pas parce que je n'ai pas forcément répondu à vos arts que je ne les ai pas vus. En général, je mets un like. En l'occurrence, je l'avais vu sur le Nurshidrung. Donc, j'ai liké sur Nurshidrung. Ça se voit moins qu'un retweet. Je t'attendais. J'ai beaucoup réfléchi depuis la dernière fois. Mes nombreuses défaites m'ont ouvert les yeux. Il n'est pas possible de vaincre si je ne vise que la stratégie. Ah oui, mais alors du coup, attends. Parce que du coup, là, je vais déjà me battre contre un boss. Il faut que je fasse plus confiance en mes Pokémon. Je compte bien me venger par rapport à l'humiliation que j'ai subie dans les QG de la Team Steam au début de notre aventure. Oh bah dis donc, c'est pour ça que j'ai besoin de faire un combat contre une personne qui a largement le niveau requis pour les affronter. Et pour moi, la seule personne qui est digne des plus grands dresseurs, c'est toi Fifou. Eh bien partons là-dessus. Telluriforce instant. Finalement, pourquoi la vie? Pourquoi la mort? Pourquoi finalement le soleil se lève le matin? Pourquoi des instants où finalement je me demande ce qui va se passer sur Terre alors que finalement le seul truc important c'est de mourir quoi. Mais d'où je m'en fais outspeed? Mais putain! Il m'a pied voltige one shot! Mais je suis complètement mongol! Pourquoi j'y vais comme ça? Tiens! Flabishbook, attaque!
Psycho! Encore! Psycho! Encore! Oula, Scarf et Touraptor. Allez! Allez! Ok, attends, Tangalis, attention. C'est quoi ça? On a ça. Oh, il y a vitesse extrême. Ouais, bah, terrible désillusion aussi, là, putain. Mais je suis méga deg! Mais j'ai même pas eu le temps de faire mon introduction, il était mort, ce Pokémon de merde! La Team Sim n'a qu'à bien se tenir. Retrouvons-nous au Mo Legend pour la bataille finale. Mais je m'en bats les couilles, ah, putain! Mais ce Pokémon que j'ai mis un milliard d'années à XP! Mais il avait machination, il a même pas eu le temps de faire un seul Dracochoc! Bon, c'est pas grave les mecs, vous savez ce qu'on dit? Quand on dit qu'un Pokémon est fort, il meurt. Donc, quelle est la... Non, tu n'es pas l'élu. Tu es mort comme une merde, Pell. Tu es une grosse merde, Pell. Tu ne mérites pas. Non, vous savez ce qu'on peut dire? Il est décédé. Vous savez ce qu'on peut dire? Les mecs. Qu'est-ce qu'on apprend? Qu'avons-nous appris aujourd'hui? Nous avons appris que la vie est une pute. Mais c'est arrivé tellement, c'était tellement la mort la plus nulle que j'ai jamais vue de ma vie. La mort qui puait le fion, quoi. Mais c'est terrible, oh là là. Oui, bah on a compris, hein. Putain, mais j'ai trop le seum en vrai. Merci Prudence, t'es un peu en retard. J'suis deg. Il a fait tunnel. Mais oui putain, c'était une nouvelle forme de poké. J'étais en mode ouais non mais il va au moins faire quelque chose ce soir. Mais pas du tout. C'est vrai. Oh mais non. Arrêtez avec les chaises, c'est bon. Argent. Merci beaucoup pour vos dons. Oh putain, mais non, mais ça commence ça commençait mal, du coup, ça a même pas commencé que ça commence super mal en fait. Allez, par contre là. Allez. Oh le crit en plus. Oh le bâtard. Le bêto chef qui me crit instant. Tu peux arrêter de me coup critique, s'il te plaît? Merci. Oh, mais j'ai trop peur, en vrai. Ok, il m'a saboté, ça fait rien. Non, mais attends, mais comment Beto Chef, il tank ça? Oh là là, priorité longue. Heureusement que je suis soigné. Hein. Faut vraiment que je fasse attention, hein, parce que là, on est dans les derniers combats et tout. Ils font mal, les mecs. Hein. Bon, on reste concentré. Enfin, non, c'est pas on reste concentré, c'est... On se concentre. Tu l'as fait exprès. Mais non, je l'ai pas fait exprès. J'étais persuadé que j'allais dépasser. Oh, mais non, mais y a Roger. Oh là 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 là. Terrible. Bon, attends. On a Flabiche Plouc. Le Latias, c'est mon. Le Latias, c'est mon espoir, tu sais. Bonjour. Salutations, Fifou. Non, c'est pas prévu. Merci beaucoup. Je dois l'admettre, tu n'es pas un de ces bourgeois indignes d'être dresseur. Putain, mais Anthony, s'il te plaît. En contraire, tu mérites plus le titre de dresseur que moi. C'est bien. J'espère que tu m'as pardonné. Je n'aurais pas rêvé meilleur allié pour le combat final. Je veux t'affronter. Mais est-ce que c'est vraiment la route où je me tape tous les putains de combats, là? Oh non, pas Léviator. Est-ce que j'ai un Pokémon électrique? Ah bah oui, j'ai du. Oh, let's go du. Premier combat pour du. Paf! Toxique. Oh là là, let's go! Oh la colère, regardez! Le toxique abri!
Incroyable. 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 Ah oui, j'ai des PV plus, ça ne sert à rien. Oh là là. Le chat en sueur. Devant la puissance. La puissance. La puissance de Toxic Avery, let's go. Hop. Oh, il s'afflige des dégâts. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Allez, coup de jus. Qui tout même pas. Confusion. Ah, la colère qui passe, par contre, dommage. Incroyable. Vous avez vu, hein, c'est vraiment stylé. Hein. Ok, attends. Alakazam, qu'est-ce que ça fait, Alakazam? C'est méga chaud, Alakazam. Il peut avoir... il peut... Non, attends. Vlabish Plouk. Ok. Vas-y, on a Dracochoc. Oh, la ballon. Oh non, évidemment le... Oh, c'est bon, on le tue, ok. Oh putain, heureusement qu'on a Flabish Plouk, hein. Petit passier. Le psycho, oh là là. Je me suis fait crit. Mais non, je me suis pas fait crit. Non, je me suis pas fait crit, les mecs. Ah, on a El Monstrueur. Sinon, on fait psycho, en vrai, hein. Pourquoi je me suis fait dépasser par un Dracofeu? Oh là là, il a Azumarill, ok. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Rassurez-vous. Oh, le tonnerre. Le Absorvolt. Du. Let's go. Toxique. Oh, il passe pas. Il passe pas. Il passe pas du. Hop. Abri. Incroyable. Merci beaucoup. Les pompiers vous manquent. Sérieux? Allez, hop. Coup de jus. Oh là, la technique du Toxique Abri, c'est infernal. Hop. Non. Salaud. Il m'a double abri la gueule. Enfin il m'a... Oh le coup critique. Attention du. Ok et abri. Mais arrête de spammer potion max. On dirait moi. Attends mais pourquoi le toxique lui fait aussi peu de dégâts là? Le Azumarill qui essaye, tu sais. Alors, on fait moins le malin, Azumarill. Au revoir. Tu es... Perdre contre quelqu'un de ta valeur, ce n'est pas une défaite. Tu es le plus fort de nous tous. Je prie pour que ta victoire résonne si fort qu'elle changera la mentalité des bourgeois prétentieux. Mais ce gars, je vous jure, c'est... le mec, c'est URSS Man, quoi. Ah, c'est peut-être pour ça qu'il est habillé comme un... Et donc, elle m'a fait peur un peu, en vrai. Hein. Là, le speedev drop sur la tièce, c'était tendu du cul, un peu. Mais bon. Ok. Donc, on va se taper un corps de... Oh, un tranchonon. Je m'entraîne souvent par ici. Eh bien, écoute. Je vais te dire, ça me fait une belle jambe. Bon, allez, on tente la plénitude, là. On l'a pas encore tenté pour l'instant. Ce qui fait zéro. Allez, psycho. Ok, au revoir. Oh là là, allez. Il avait que des Pokémon qui étaient forts, mais il a quand même, il s'est quand même fait défoncer. Enfin, il avait que des Pokémon qui résistaient ou... Non, il avait deux Pokémon qui résistaient. Oh, attends, mais on a escalade, c'est vrai. La glissade. Whoop. Oh. Bah. D'où? Attends, mais non, mais moi je skip pas, moi. Fidron ne skip pas. Je crois que ça revient à peu près au même. Oui, ça revenait exactement au même. Putain, mais à force de spammer les limonades, là, on aura bientôt plus de petits îles d'appoint, c'est dommage. J'ai vu énormément de personnes bizarres rentrer dans la montagne. Bah oui, bah je sais bien, je vais me faire défoncer, c'est ça l'idée. Bon, allez, plénitude, toujours. Bon, il a fait rebond, donc on remet une plénitude. Et maintenant, on soupe. 1. 2. 3. Ah, je suis vraiment désolé là, mais c'est dur. Hein. C'est vraiment difficile. Incroyable.
Ok, la tièce. Mais non, mais il y a encore un combat, mais cette fois c'est BCBG Man. Ok. Tiens, on va se battre un peu avec Roselyne. Le problème de Roselyne, c'est que j'ai toujours peur des attaques combat, mais... J'ai dans slam. Il fait machouille. Putain, il m'a dépassé. Hydro-queue. J'ai toujours pas... Mais voilà, mais regarde, parce qu'il y a toujours des étoraptors qu'il faut que l'on se combat de l'enfer. Hein. Bah oui, c'est ça le problème des double faiblesses combat. C'est tellement difficile à jouer en vrai ce qu'elle prend. Ok. Acrobatie, ça tue, je pense. C'est tellement ça en vrai. Courage, Ernestine. Ok. Ok. Attention, parce qu'il reste, il reste un combat. Hein. Un. Ouais, attends, on va switcher. Diamat. Diamat, il touche pas. Ça se trouve, il a une attaque feu en vrai. Hein. C'est chaud en vrai. On va mettre El Monstro R pour voir. Non, ça va, il a fait que ma chouille. Il m'a baissé ma def aussi. Il fait bâillement. Oh, il fait tellement mal ce poké. Bâillement abri. Oh là là, la technique de bâillement abri qui marche. Ok. Putain, c'est chaud en vrai. Ça fait tellement mal Diamat parce que ça a agitation et tout. Et ébullition. On fait zéro, mais bon. C'est le seul qui peut vraiment tanker les attaques, je pense. Donc, c'est plus safe, quoi. Oh, critique, putain. Voilà. Bon, je l'ai fait safe, hein, parce que on sait jamais. La Tias, il prend pas hein, une machouille crit ou ce genre de truc, donc bon. Ouais, c'est tendu un peu, hein, les dégâts qu'ils mettent là, les Pokémon. Hein. Bon, on a un nouveau combat difficile. Ok. Qu'est-ce qu'on tente? Est-ce qu'on tente le sweep de Flash Beep Look? On peut tenter en vrai. Encore un combat là. C'est brillant en plus là. C'est mon vrai rival. C'est l'authentique. C'est pas les faux rivaux. On est juste devant le monde Legend. Ça va t'en sembler bizarre, mais j'ai peur d'échouer. Mais tu sers absolument à rien pour l'instant, je veux dire, c'est terrible dans le jeu, c'est qu'ils disent oui, viens Fildrong, on va s'aider, on va le faire ensemble, et jamais ils m'ont aidé. Si Zash réussit à faire venir Koryos, que va-t-il se passer? J'éprouve de sérieux doutes à notre réussite, à ma réussite, pas ta réussite, je veux voir si je suis au niveau. Le vainqueur aura l'honneur de pouvoir mettre une raclée à Zash, avec une faute d'orthographe. Oh là là, et lui faire comprendre que faire venir un Pokémon aussi vénère que Koryos, c'est une mauvaise idée. Ok, Junko c'est facile. Et il a Dracogriffe, ça fait R. Oh, regardez. Hop. Oh, j'ai l'impression d'être en combat stratégique. Smogon. C'est parti. Le soin. Et maintenant, c'est parti. Psycho. 1. Allez, 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 allez. Non, j'ai plus de PP. Ok, c'est bon, j'ai Draco Shock. Oh, le one shot de Pyrax. Ah, arrêtez tout. Arrêtez tout. C'est quoi mon game plan? Ernestine. Mais évidemment qu'il... Mais j'ai plus de pépé, mais putain! Mais je suis pas préparé! Oh, il a... Débile. Oh!
Comment ça, gros dark? Attendez, attendez, ça sent vraiment le pâté. Je suis obligé de me soigner, j'ai pas le choix, les mecs. Hein. Je voulais essayer de le faire legit, mais c'est vraiment chaud. Allez, toxique. Mais évidemment qu'il allait avoir un Karchak Rock quand j'ai Latias. Non mais c'est moi aussi, j'y vais à la Zub, j'avais oublié les PP quoi. Oh là là. Merci beaucoup pour vos dons, je suis désolé, j'ai du mal à suivre. Et Oro, merci beaucoup mec. Merci beaucoup. Merci beaucoup, mais c'est dur là, parce qu'il est en train de spammer, c'est... Ok. Ok, il est mort. Karchak Rock est mort. Je suis soucieux que ce truc. Et les câbles électriques, machin. En vrai, ça va, on résiste. Il a orbe vie. Attends, est-ce qu'il a un truc pour passer? On plénitude une fois. Ok, il a point glace, ça fait mal, mais ça va. Allez, soin. Ok. Et maintenant, Draco Choc. Ok. Merci du fond du cœur, mec. Oh, mais putain! Mais c'est pas possible, ça! Ok. Putain, mais c'est pareil. Et le truc, c'est que ça a forcément une attaque combat. Ok, la bouclier royale. Merci du fond du cœur, mec. Allez, ébullition. Ok, le burn direct. Oh, sur le dance slam, merci. Mais attends, ils ont des 7 ultra cancer! On se calme. Ok, il spam bouclier royal. Heureusement qu'on l'a. Il est 21h30. Non, c'est bon. Ils veulent me tuer. Amphinobi. Ok, toxique. Non, coup de jus. Non, il a protéin. Bon, ça va, il a fait. Oh, ça fait tellement mal. Il m'a mis la trouille. Ok, abri. Oh, l'orbe vie qui passe même avec abri. C'est trop cool. Enfin, trop cool pour moi. Hyper potion. Oh putain, mais les dégâts. Mais regardez, c'est trop bien, on lui baisse des PV comme ça avec abri. Bon, fallait pas me. C'est sa faute, hein. By the way. Mais arrête, il me flinche. Si je prends un crit, je meurs là, donc je suis obligé de faire hyper potion. Hein. Okay. C'est bon là maintenant, je. Il va vraiment se tuer juste avec abri. Ok, c'est parti. Coup de jus. Et le coup de jus. Petite para. Abri. Allez, voilà. Ah, mais putain, ces combats de nous deux, tu as toujours été le plus fort. Si on réussit à déjouer les plans de Zash, on se retrouvera à la ligue pour notre ultime combat pour le titre de maître. Oh là là. Je suis pas du tout prêt là, il faut que j'aille me soigner là. Ma team est à l'agonie de la vie. On va aller se soigner. Ok. Ouais, on va se soigner. On revient en arrière. Par pitié, soigne-toi. Oui, j'y vais, c'est bon. J'étais en combat, je peux pas me soigner en combat. Oh. Faut qu'on utilise un... c'est où? C'est là. Max repousse, c'est où? Max repousse, ok. Ouais. Non mais en vrai, le combat était beaucoup plus dur parce que j'avais pas les PP de... Si j'avais eu les PP d'acrobatie, je pense que le Karchak Rock était plus facile à gérer. Mais du coup, ça a été très difficile. Après, il avait le casque brut, le combo casque brut Jean-Michel, là, c'était chaud. Hein. Oh, merci. Oh, le soin, let's go. Merci. Ok. Faut qu'on... 100%, il y avait du heal devant. C'est vrai, mais en même temps, si c'est pas le cas, on est dans la merde. Moi, les pelles, adieu. Hein, tu nous manqueras beaucoup. Il faut qu'on prenne un Pokémon sacrifice.
Ah non, mais il est mort, Walter Bach, je suis débile. J'ai pas un Pokémon avec fermeté. Si, lui, il a fermeté, on est d'accord. Vas-y, go, c'est bien fermeté, en vrai. Vous savez qu'un Pokémon niveau 1 avec fermeté, ça peut littéralement win. C'est vrai, en vrai, ce que je vais faire, les mecs, c'est que je vais lui apprendre... bon, alors déjà, on a utilisé ouais, une dizaine de DAC. Une quinzaine de TAC. Il nous faut des élixirs. Ça coûte très cher, mais bon, voilà, comme ça on en a. Et on rachète des Max Repousse. Voilà, là on est prêt. Attendez, on a un Pokémon niveau... On a un Pokémon... on va faire... On va lui mettre quoi? On va lui mettre Toxique. Abri. Non mais regardez. Ah, il a déjà abri, attends. On lui met Toxique maintenant. Non mais attendez, on va jouer un Pokémon. Pokémon du cancer. C'est trop fort. Effort, bah il a pas effort je pense. Mais... Regardez, il est niveau 12. Fermeté niveau 12, incroyable. Ah là là, la stratégie niveau 1. Bon allez, on y retourne. Retournons à l'aventure. C'est y part. Frisbit le nouveau dieu. Mais non. Non, ça va être joli, ça va être mignon quoi. Bon, j'en replace un énorme merci vu que je suis en train d'avancer pour tous vos soutiens. Merci beaucoup. Il y a eu un don de 50 euros. Merci du fond du cœur, mec. C'est ouf. Je suis désolé, hein, quand je suis en plein dans l'action, c'est un peu difficile. Mais merci du fond du cœur. C'est vraiment trop cool. Merci. Ok. Allez, continuons. Voilà, on était là. DB Prime, très bien. B Citrus, très très bien aussi. Regardez, ça se trouve, c'était pas un soin. Donc, du coup, on est content. Bon, alors, on met quoi là? Attends. Qu'est-ce qu'on met en vrai? Flabiche Plouc, je pense qu'on le met. Et Dududu, c'est stylé aussi. On peut mettre ça. Hein. Combat double. Hein. On forme l'équipe la plus redoutable au monde. Oh, allez, c'est parti. C'est là qu'on se fait trouer les fesses. C'est méga chaud. Ok, on a Ernestine. Mal. Ok, j'ai vraiment bien fait de switcher, ça c'est sûr. Ok, acrobatie sur lui. On continue les ébullitions. Oh, le Lima Smith qui s'est fait défoncer. Nice. Allez, ébullition, ce serait bien de pouvoir brûler. Je crois qu'il fait mal quand même. Oh, gros lème maintenant. Oh là là, ok. Le problème, c'est qu'il peut faire soit séisme, soit lame de roc. Et dans les deux cas, c'est hyper chaud pour moi. Donc là, ce qu'il faudrait que je fasse, c'est que je switch les deux Pokémon. Que je mette genre El Monstro Air. Ah non, mais c'est chaud, attends. En vrai, Dududu, il dépasse. Non, en vrai, on dépasse tous les deux. Donc là, ce qu'on fait, c'est ébullition, machin. On casse la truc, et ensuite ébullition pour... Voilà, 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 très bien. On a cassé la fermeté, comme ça. Ah putain, mais il fait tellement mal. Ok, on acrobatie le lance... Non, on acrobatie le... On focus, là. Ok, abri. Il a fait rebond. Ça ne dérange pas. Allez, acrobatie. On tue le... Ok, Lansargo est mort. Ok, on est en train de gérer. Les combats doubles, c'est vraiment l'enfer. Hein. Hop, voilà. Lopin est mort. Maintenant, c'est que des Pokémon solo. Putain, mais... Chiant, man. Ok, on a Flabishpook, c'est bien. Et là, on va faire ébullition sur lui. Attention parce que ça a giga sensu ce truc. Mais on la burn. Et les canons qui 100% de paralysie. Ma chouille. Non, j'essaie de pas me soigner. J'essaie de pas me soigner trop dans les combats. Quand je peux ne pas me soigner, j'essaie de pas me soigner. C'est plus stylé quand même. Avouez que c'est plus stylé de pas tout le temps. Je me soigne quand c'est obligé de me soigner, vous voyez ce que je veux dire? Sinon j'essaye de. Ça rend le jeu plus stylé quoi. Ok, limonade.
Ok, on est full. Il faut juste que je soigne l'autre. Qui soigne la paralysie, baisserise. Ok. Sauvegarde. Bon, alors, il y a un truc, là. C'est un soin, je suppose. Bon, ça va, alors. Ok, alors, lui, je crois que c'était... Je sais plus si c'était un méchant. Alors, c'est parti. Tu es là, Fifou. C'est qui, déjà? Tu as réussi à obtenir les 8 badges de la région. Tu m'épates, mais ce n'est pas le moment. Ah non, mais non, c'est pas un méchant, du coup. Zash a fait revenir le dieu Arceus au sommet de la montagne. Je n'arrive pas à croire que l'ancien maître de la Ligue fasse une chose pareille. Je connais Zash depuis tellement longtemps que c'est impossible pour moi qu'il ait fait une chose pareille. Pourquoi veut-il ramener un Pokémon qui a failli détruire le monde entier? À cause de son objectif, il a ramené une armée de criminels qui ont saccagé la région et même tué des innocents! Si seulement j'avais été au courant de la situation bien avant, rien de tout ça ne serait arrivé. Quel piton... Ah mais c'est le maître! D'accord, ça va être mon défi à la Ligue. Bon, le temps presse, je t'attends au sommet de la montagne. J'ai prévenu des amis de la gravité de la situation, ils sont partis chercher du renfort parmi les meilleurs dresseurs de la région. On va réussir à arrêter cette menace tous ensemble. Ah, c'est mon père. Ah. Oh, Pokémon de zone. Ah, mais j'ai le max repousse, je crois. Je ne laisserai personne passer. Oh, trop stylé, vous avez vu son play? J'ai pas peur. Allez, hop. J'ai pas peur, toujours pas peur. Et toujours pas peur. Alors attention, attention vraiment au PP. Nos enfer est endormi. Ah oui, putain, j'avoue, merci. Bien vu. Bien vu les mecs, bien vu. Je n'avais point vu. Ah ouais, ils sont tous là. Mon passé est si sombre qu'il arriverait à obscurcir le soleil. Je crois que les filles m'aiment bien. Je suis un peu comme Light Yagami. À la récré, je m'assois sur un banc et je chuchote des choses un peu mystérieuses comme Okamari no Susoke. Je crois que les filles aiment bien ça, elles me trouvent un peu mystérieux. Ça va, Sasuke? Ah bah dis donc, ça faisait longtemps qu'on trouve... Ah, le sbire team magma, Sasuke. Sasuke! Naruto! Sasuke! Bon, ouais, il faut que je remette des PP de psycho. Parce que je n'ai plus de PP de psycho. Ça va être dans les soins, du coup... C'est quoi? C'est élixir? C'est huile? Oh, j'en ai plein. Ah, mais j'en avais encore un peu. Bon, c'est pas grave. Comme ça, on est safe. Au cas où il y a un combat dur, je sais pas. Ok, c'est parti, Pokémon de zone. Attends, on met qui en premier? Pour les Pokémon de zone, on met El Monstro, il endort. Les Pokémon de zone un peu stylés, là, s'il vous plaît. Ben... Bah ouais, du coup, ouais. Ah ouais, mais non, attends, parce qu'il va mourir, là. Du coup, ça me laisse pas un temps fou pour le tuer, en fait. J'aurais dû l'endormir, je suis débile. Ok, 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 ok. J'ai quand même 3 bons tours pour le capturer. C'est quoi? Les Honor Balls, c'est le mieux. En vrai, on va d'abord faire Hyper Ball. Ok, parfait. La brûlure, c'est fort, en vrai. Roche Ténèbres. Tyrannosif est si incroyablement puissant qu'il peut abattre une montagne pour y faire son nid. Comment on l'appelle? Tyrannosif. Faut un nom qui passe bien là. Oh ouais. Stalinus. Oh, Stalinus! Oh là là, Stalinus, je savais que c'était le meilleur Pokémon. Du coup, on peut réutiliser le max repousse si on veut. On aurait pu l'appeler Sasuke aussi, c'est vrai. Bon, évidemment, hein, je rappelle, El Monstro R n'est pas un Pokémon avec qui on fait l'aventure. Enfin. Merci beaucoup pour ce beau don.
Et Internet Explorer, t'es le pire. Ah mais là c'est sûr qu'il va y avoir un son en plus. Oh tonnerre, mais je préfère coup de jus je pense. Guérison. Qu'est-ce qu'il y a ici? C'est sûr c'est un soin. Ouais c'est la grand-mère. Reste un peu au chaud. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Mais ok, faut pas reparler. Moi j'ai l'habitude, vous savez, de parler. Cette grotte est beaucoup trop dangereuse. Il faut avoir montré ses preuves. Moi j'ai pas montré ses preuves. Mais attends, c'est pas une nouvelle zone là? Attends. Mon légende extérieure. C'est une zone, les mecs. Oh la musique, c'est quoi déjà cette musique? Ça me dit quelque chose. Prévention. Oh alors là par contre le Latias il est sur un roll mais sévère hein. Galopin, vous trouvez ça stylé vous? Je trouve ça un peu nulos quand même. Mais bon, je vais essayer. Ah il est pas assez affaibli! Oh là là, showman! Bon, j'espère qu'on le tue pas avec coup de jus, c'est mon attaque la plus faible. Ouais c'est pas ouf hein, quand même hein, Galopin hein. On va l'appeler, bah vous savez comment on va l'appeler? Un truc, le truc, c'est quoi le truc le moins pas ouf de la Terre? Franchement. Je crois que c'est la sauce fromagère. C'est le truc le moins pas... Le sauce fromage. Ah il faut que je remette le max repousse du coup maintenant. Il y avait quoi d'autre comme... Attends, on va utiliser le Pokévoyeur. Oh, il y avait des trucs stylés. En vrai, merci beaucoup Mamie Jo. En vrai, il y avait quoi de stylé? Etoraptor, j'aurais trouvé ça trop stylé. Frison, j'aurais trouvé ça trop stylé. Kabutops, stylé aussi. En vrai, Frison, c'était le plus stylé. Ou Forêtresse, pour jouer des sets avec Pico et tout. Oh, les mecs, non, mais les mecs, respectez un peu. Je veux dire, la sauce fromagère, vous pouvez pas dire que c'est bon, quoi. C'est horrible, ce truc. Mangez, faites une sauce avec du vrai fromage. Ok. Mais il est juste... Non, mais attends, c'est pas sauce fromage, c'est sauce fromagère. C'est pas la même chose. Non, je suis désolé. Attends, mais putain, mais je suis aveugle, je dois aller où, là? Attends, mais je vais y arriver? Ah oui. Mais attends, oui, non, c'est ça. La sauce fromage, les sauces au fromage, c'est super bon. Les sauces fromagères, les mecs, arrêtez, c'est dégueulasse. Il y avait un frison. Oui, mais les mecs, c'est un Nuzlocke. Moi, vous savez que je préfère découvrir en direct ce qu'il y a. Vous voyez, c'est plus drôle. Si je choisis mes Pokémon à chaque fois, c'est moins drôle, tu vois. Ce qui est drôle aussi, c'est d'avoir des Pokémon moins forts. On peut pas tout le temps avoir des Pokémon... Déjà, on a eu un Tyranocybe, donc on est content. Oh, j'ai utilisé Escalade pour descendre, littéralement. Ça a l'air d'être par là. Ouais. Oh, il y a une CT à droite, faudra pas que j'oublie. Surtout que là, maintenant, on a des... Ils nous donnent des CT de ouf, là. Mais Flabiche Plouc psycho contre des teams qui ont que des Pokémon poison, c'est vénère. Hein. Team Kebab, bah oui, Team Kebab. Mais attendez, qui peut dire qu'il préfère le tacos au kebab? Un galopin, te voilà, ok. Écosphère, je crois que j'ai personne qui peut la prendre. En vrai, c'est pas si ouf, Écosphère. J'ai un peu peur d'un combat. Je vais utiliser un élixir, comme ça, c'est fait.
Je sais qu'il m'en reste, mais bon. Pas un élixir, mais une huile. Parce que tout à l'heure, ça m'a vraiment niqué, hein, le fait de pas avoir assez de PP. Vas-y, on sauvegarde. Je sais que ça sert à rien parce que je fais tout en direct, mais... Ok, mon légende. On est retourné dans le mon légende, donc c'est pas une zone. Oh là là. Les mecs, je crois que c'est maintenant qu'on se bat. Te voilà, Fifou. Tu nous as humiliés à plusieurs reprises. Non mais attendez. Les mecs, écoutez. Moi, je suis pour la médiation. Écoutez. S'il vous plaît, je ne veux pas perdre un corps, Babatute. Le président a eu la brillante idée de faire une armée pour t'anéantir. Que comptes-tu te faire face à nous alors que tu es tout seul? Il n'est pas seul! Oh, il y a mes rivaux là qui arrivent là. Alors, toujours pas mordu la poussière, Fifou? Oh, c'est les champions d'arène! Je vais enfin pouvoir reprendre ma revanche sur la mort de mon père. Cette fois, vous n'allez pas nous échapper. Comment peut-on être prétendu être champion d'arène? Ok, d'accord. Parfois, il y a des fautes d'orthographe. Si on n'accomplit pas notre devoir. Comment pourrais-je me regarder dans une glace si je n'accomplis pas mon devoir de champion d'arène? On a été plus rapide que vous sur ce coup-là. Avec notre force, vous n'allez pas les faire longtemps. Non mais en fait, c'est que des mecs qui m'ont détruit des Pokémon. Comment tous les champions d'arène sont présents? Non, il en manque un. Je suis là aussi. C'est Pierre Rochard, le maître de la ligue de la région de Wen. Regardez là-bas, il y a Superman. Et ici, c'est Iron Man. Incroyable. Et regardez là-bas. Mais oui, c'est lui, c'est Jean Castex. Oui, bonjour, je viens vous annoncer que je ferai une annonce dans 15 jours pour repousser le confinement à dans 15 jours. Pour vous permettre une préparation au confinement. C'est incroyable! Il est là, Jean Castex! Mais regardez! Regardez là-bas! Mais oui, c'est lui! Quoi? Oui, c'est David Lafarge! Il a ouvert un méga Dracofeu EX Shiny Omega Delta GX V Max! Hey, salut à tous! Pardon, excusez-moi. Avec les maîtres de la ligue de différentes régions, on a formé un groupe pour vous empêcher de réussir votre plan. Je suis le premier sur place, les autres ne vont plus tarder. Tu es Fifou, c'est ça? On va les combattre. Toi, continue. Il ne faut vraiment pas qu'ils arrivent à leur fin. Incroyable. Salut. Oh là, et ça s'est arrêté d'un coup, là. Ah, c'est vraiment... ils étaient vraiment tous là, hein. Mais non, mais j'ai fait non au répulsif. J'ai de très puissants Pokémon. On est d'accord, Dracochoc ça tue, hein. Bon, et en même temps, il me fait gros feu. Merci beaucoup. Oh là là, mais Flabichplouk. Il faut vraiment que Flabichplouk survive. Parce que sinon on est tellement dans la merde sans Flabichplouk. Bon, attends, on veut remettre Max Repousse. En vrai, il n'y a pas moyen de le mettre... Ah, je pourrais l'enregistrer. Oh! Ça n'a pas l'air de marcher, mais bon. Oh, il y a juste des Pokémon ici, c'est mort. Ah, attends, il y a une... Oh, dommage. J'ai essayé de creuser aux explosifs, mais ça marchait pas très très bien. Plécroix. Eh, vous vous rappelez quand on avait un Cisaiox qui aurait pu utiliser Plécroix? Oh. Bah alors. J'adore cette coiffure, mais ma femme n'est pas sensible. Oh. Ta femme, c'est une... Ok, attends. Non mais en vrai j'ai toujours peur parce que... Oh, si la surpuissance, je fais quoi moi?
On s'amuse, hein. Ok, toxique. Merci. Bon, au moins, il va mourir. On a deux d'attaque, c'est bien. On peut se soigner, du coup. C'est vraiment sympa, ces 7, hein. On s'amuse, hein. Non, mais franchement... Ah, ça faisait longtemps que j'avais parié autant. LOL. Vraiment fun, hein. Le Corbos tricherie vantardise, là, on s'amuse, hein. Tiens, chien. Anti-soin. Oh. Wow. Ah, mais c'est vraiment trop drôle. Eh, on s'amuse, hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Ouais, je suis en train de rigoler, là. Je peux à nouveau guérir. Merci. Mais, et c'est ultra chiant du cul, là. Merci, putain. Corbos de l'enfer, là. Mais what the fuck, quoi. Tous ces Pokémon, ils avaient tricherie vantardise en stratégie. C'est super. Tu t'imagines quand même que le créateur du jeu, il s'est dit « Ah, vas-y, qu'est-ce qu'on va mettre ?» Oh, j'ai une trop bonne idée, wesh. On va mettre des tricheries vantardistes sur tous les Pokémon de ce dresseur. Ah bah, il va bien rigoler, lol. Non mais, putain, mais pourquoi je fais non à chaque fois? Je suis en stress, là. Non mais, on sent que je stresse, là. Je suis en train de stresser. Il faut que je me calme. Faut que j'arrête de stresser. Faut que j'arrête de stresser. Mais en même temps, c'est normal que je stresse, là. J'arrive à la fin. Je vais me taper le légendaire de l'enfer. Voilà. Bon, cette fois, j'y vais à Dracochoc, hein. Mais putain, mais en plus, voilà, c'est ça. Si j'avais pas eu peur... Mais après, s'il avait eu coup bas, en vrai... Hein. Oh, putain, merci. Il nous faut des... Là, je sens qu'on s'approche. Il me faut un petit élixir. Non, j'en ai que 5 des élixirs. Ah ouais, ok. Ah, mais j'ai des max élixirs aussi. Ouais, ça va, j'ai encore un peu de place. Faut juste que je fasse gaffe. Oh, mais ouais, mais ça, là, c'est sûr. Ok, attends, élixir. Fidrong le flipper, quoi. Ah, c'est sûr, on va se battre. Regardez, c'est le boss de fin du jeu. C'est Frison Jour, quoi. Non, c'est... Non, c'est pas vrai, je suis pas sous pression. J'ai pas du tout l'impression que je vais me faire ramasser le fion contre une sorte de légendaire surpété. Je saurais pas c'est quoi son type. Je vais arriver avec mon Pokémon. Il va one shot parce qu'il aura, il aura toutes les attaques du jeu. Pas du tout, pas du tout. Je suis pas stressé, je suis pas stressé, je suis pas stressé. Moi, vous pensez que moi je suis stressé? Pas alors. Oh, le coup critique. Non mais Flabiche Plouc. Mon héros, quoi. Mon héros, c'est Latias. Maintenant, ça y est, mon nouveau Pokémon préféré, c'est Latias, les mecs. Trop stylé, là. Oh là là, c'est bientôt, les mecs. Ok, là, il y a un truc, là. Je suis la plus forte des sbires de la team Magma. Vas-y, on plénitude, là. Si c'est la plus forte, on plénitude à fond. Tempête de sable. Bon, ça va, en vrai, ils sont au niveau... On a, beaucoup... on a de l'avance en level, mais après, je pense que les boss vont être beaucoup plus haut niveau. Oh, mais c'est vrai que la plénitude... Pouh. On s'est battu que avec Latias, presque. Après, je voulais utiliser le Hyporoi, mais il est mort comme une merde. Vous vous rappelez quand Hyporoi est mort comme une merde? Moi, je me rappelle... Oh, le Métalos qui monte la garde, c'est trop stylé. En vrai, c'est quoi notre game plan contre Métalos et Roselyne?
Et là, il a marteau point et one shot. Non, mais on va le one shot avec tranchant. Ça aurait été tellement pas drôle. Oh, il surveillait dans slam en plus. C'est stylé ça. Ok, voilà le sbire le plus fort de la Team Rocket, je suppose. J'aimerais bien essayer de me battre avec quelqu'un d'autre, mais le problème c'est que Roselyne va y avoir. Bon, attends, vas-y, go. Je vais enfin recevoir une grosse somme d'argent, je vais pas te laisser tout gâcher. Quel bâtard. Hé, hey, effet drôle, pourquoi tu utilises que la tienne? Je comprends pas. Comment ça, la tempête sable se calme, c'était... Il y a des trucs, parfois, c'est un peu guébu. Il lead avec un Pokémon de type combat, quoi. Bon, ok. On en est où des PP? Parce que là, je suis sûr que c'est maintenant. 10 sur 16, 15 sur 24, ouais. Élixir. Enfin, huile. Non, mais pas toi. Toi, t'as rien fait. Voilà. Je remets la tiasse en premier. Oh! La nuit qui tombe dans la grotte. Ah, ils sont tous là, regardez! Ils sont tous là! Oh là là, il y a des boss partout. Mais on n'y est pas encore, on n'y est pas encore. On a encore un peu de temps. Oh, le plus puissant des sbires de la team Aqua, c'est Tipar. Vas-y, on se plénitude. Bon bah, deuxième plénitude vu qu'il a fait. Oh, les dégâts de plongée. Allez. T'aurais mieux fait de faire de l'escalade! Excusez-moi. Pouah, allez, allez la tiasse. Oh, Archéodong, il pèse dans le game. Oh, une Nurs. Mais alors, mais qu'est-ce qu'elle branle là? Ça n'a aucun sens. Alors parfois, je vous jure, par contre, ce jeu, ça n'a aucun sens. Tu vois le random, t'es dans un repère, il n'y a que des méchants. Et là, je suis là, je vais soigner ton équipe. Ça, je vous promets que dans Pokémon Tales of Down, on essayera d'amener un peu mieux quand même le concept. Attendez, on va voir, je suis sûr qu'il y a des trucs stylés là. En plus, on s'est soigné, donc... On peut regarder un peu ce qu'il y a. Oh! Oh, c'est sûr, il y a un légendaire là, à la fin du jeu. J'en sais rien. Okay. Il y a même une grotte là. Bon, on peut pas y aller grand pas. Hein? Ok, débile. Oh là là, c'est parti. Ok. Putain, mais j'avoue, c'est une idée de génie. Le problème, c'est que je sais pas quand je vais me taper le truc. Ok. Nous sommes les derniers sbires. Tu vas devoir nous affronter à nous quatre à la suite sans pouvoir t'arrêter. Je commence. Oh là, sans pouvoir m'arrêter, c'est parti. Pour l'instant, ça va. Premier, ça se fait. J'ai perdu, mais ce n'est que le début. Je prends la relève. Oh là là, les derniers sbires, let's go. Pouh. Ça va, ultra laser? Quoi? Je me suis fait battre aussi. Vous êtes des minables chez la team Aqua et Magma. Team Rocket qui balance des pics. En plus, il a pas tort. C'est vrai que c'est un peu des minables chez la team Aqua et Magma. Par contre, chiant. Critique, speed dev drop, chiant. Allez, le monstro. Et il en reste un. Je me suis lamentablement fait battre. Et tu dois être fatigué après tous ces combats avec mon équipe de Pokémon défensif. Ah,
à Girobal qui fait R. Il m'a fait R. Allez hop, tes Pokémon défensifs là. C'est bon, ça passe. Non mais ça va, Archéodong. On va être safe. Du tankera beaucoup mieux les attaques. Il a ébullition, il peut brûler. On va essayer de le brûler. Voilà, très bien. Maintenant je suis hors de danger. On peut spammer, il a fait toxique. Parfait. Alors les sbires, qui est ce type? Il est beaucoup trop fort pour nous, on se tire. Oh là 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 là, ils se sont tirés. Oh mais toi ici. Mais putain, mais pourquoi? Mais je suis débile. Merci. Pourquoi j'annule à chaque fois la... En fait, j'ai tellement peur de faire une erreur que j'appuie sur B à chaque fois. Attends, mais il y avait un truc là en haut là. Non, c'est moi qui suis aveugle. Ok. Oh là là, oh là... Eh, ça c'est un combat double où je m'appelle pas Fidrong. Oh. Bon, alors attends. C'est quoi ma technique en vrai? Du flabiche plouc, c'est le mieux, je pense. Oh non, putain. Te voilà enfin Fifou depuis notre défaite dans... Ah, on s'est entraîné en combat duo, je sais que j'ai pas connu. Les combats duo, ça troll tellement, les... Et tu n'y arriveras pas, non, non. Ok. On one shot. On focus pas. Non mais, franchement, le toxique à 100% de chance d'arriver, c'est ultra relou. Ce qui serait bien, c'est de le brûler en vrai, lui. Faut qu'on focus le Corbos. C'est hyper dangereux, attends. On met El Monstro R et on coup de jus. Oh ouais. Mais putain, mais... C'est quoi cette putain de priorité? C'est quoi ce putain de taux de toxique de l'enfer? Oh là là, maman putain! Du. C'est son nom. Hein. Archéodong, ça fait vraiment pas de dégâts. On peut baillement Archéodong et mettre Latias, je pense. Il a mis Arc, une piège de roc. On est d'accord, c'est Archéodong qui est en train de se faire tuer, on est d'accord. Hein. Donc là, je mets, genre, mettons Roselyne. Et là, je fais Psycho sur lui. Voilà. Ok. Et là, maintenant, on focus à gauche. Focus à gauche. Putain, il fait toxique, évidemment. Tellement chiant, là. Il toxique tous mes Pokémon. Ok. Clintude. Attends, c'est moi ou le... Pourquoi le Archéodong a été plus rapide que moi? Ou il a tenté de faire abri, peut-être, je pense. Non, mais par contre, ça suffit, quoi. Ils vont spammer. Mais vous savez quoi? Quand ils spamment comme ça, j'en ai rien à foutre, j'utilise un guérison. Ah ah! Moi aussi, je peux utiliser des objets, fils de pute! On se set up hein. Et il reste un Pokémon. Chaffreux. Au revoir. Oh, il a fait frustration. Alors t'étais frustré de mon équipe. Ok, on se calme. Ça sent le karma. Comment veux-tu qu'on arrive à battre un dresseur pareil? Au moins on aura gagné du temps, c'est le principal. Oh non. Okay. Bonjour, soigne-moi. Pourquoi plénitude? Bah, pff, c'était pour au cas où le dernier Pokémon était fort. Parce que de toute façon, Scalpros suffisait. Oh non. Non, le trio des ombres! Heureusement, je me suis soigné. Hein. La garde personnelle du président. Il nous a donné le... Mais j'en ai marre, gentil! J'ai plus de combats de... Ça va, les combats de dresseurs, là? Ah, mais je me sens bien, là. C'est cool. Quel enfer. Niveau 60, hein. Ok, il peut pas m'empoisonner. Oh, par contre, le...
Tu peux pas m'exploser dessus. Sale pute. Pardon, excuse-moi. Oh, le burn. Attends, je vais juste checker si on peut utiliser des objets. Je suis pas du tout obligé d'utiliser un objet, mais je check juste. Ok. Je crois que c'est bon. Ouais, c'est bon, ok. Non, mais c'est juste pour me préparer au combat différemment, parce que parfois, tu sais pas trop. Bon, il fait bomber en vrai. C'est quoi le mieux? C'est Scalproi, peut-être? On va faire des bombers qui marchent pas. Hein. On fait quoi? Tête de fer. Ok. Il avait le casque brut. Ok, Ninjask qui fait un prout. Ninjask, son cri, c'est... On dirait moi quand j'ai mangé trop de Mexicains. Oh! Le Scalproi. C'est chaud un peu. Un vampirisme. Mais lui, il a coupé ce bâtard. Critique sur l'âme de rock. Mais putain, mais ce jeu, il veut juste m'enculer toute la journée. Mais j'ai l'impression d'être dans un putain de film porno et d'être la petite blonde avec les 8 blagues qui m'enculent les uns après les autres. Mais c'est pas possible. Est-ce que c'est Pornhub ou est-ce que c'est YouTube? Je croyais qu'on était sur un site fan-friendly là. Mais putain, le coup critique évidemment. Putain, je suis trop deg. Non, Ernestine, c'était la chance de la vie. Il avait une chance d'y arriver. Oh là là. Oh là là, et on les enchaîne un par un. Putain. Oh, putain, et à chaque fois, ils ont des putains de lead contre qui je peux rien faire. Dans slam, les murs de fer, j'en ai rien à foutre. Allez, paf! Donc il y a de l'orage, hein. Est-ce que je viens d'esquiver Exploforce? Ah, il a les carrières aussi. Non mais ça va par contre vos Pokémon. Il a fait exploser. Ok, ok les mecs. Ok, on a perdu Ernestine mais... Oh putain mais par contre, non mais faut arrêter par contre les mecs. Hein. Je suis obligé de me soigner, hein. Je vais être obligé de soigner. Hein. Faut qu'on baillement en fait. Tank, merci. Il a esquivé un Exploforce quand même. Il était mort. Hein. Je tiens à dire quand même que rendons à César ce qui est à César. Ce Pokémon était littéralement mort. Oui, pardon, je me suis un peu. Voilà, je me suis un peu. Oh là là, putain, mais les dégâts! Oh. Abuser les dégâts. Non, on fait la technique bâillement abri. Hein. En vrai, attends, il faut qu'on. En vrai, les mecs, si on enchaîne un troisième combat, il faut que je me soigne. Ok. Je me soigne là. Je sais que c'est un peu petite bite, mais en même temps, j'ai plus que 4 Pokémon, c'est vraiment limite. Hein. Ok. Là, il va se réveiller. Je crois. Ça fait pas trop mal, ça. Ah mais c'est chaud, c'est chaud. Mais comment j'enseigne ça? Je vais t'éliminer très rapidement. Oh non, oh. C'est brillant. Je vais soigner ton équipe. Merci. On va le savoir tout de suite. Oh, il a soigné mon équipe au dernier moment. Oh. Ok, on se calme, c'est gérable. Non, attends. Oui, si. 100%. Oh, il m'a pas empoisonné. Ça fait plaisir. Oh, il a raté la lame de rock. Ébullition burn. Putain, Absol, évidemment, Absol.
Absolt. Ok, on a El Monstruaire en vrai. Et le coup de jus. Pourquoi je laisse un type poison sur un type ici? Quoi? Aucun rapport. Le jeu fait. Ok. Abri. Oh là là, je me protège. Le burn qui ne passe pas par contre. Faut qu'on baillement le Cisalox. Hyper potion sur du. Putain, les combats doubles, c'est tellement infernal. Du courage. Ok. Double abri. Les tactiques de Siux. Ok. Et coup de jus. Ok, Absol va mourir. Coup de jus. Le Cisaiox d'or. Ok, il dort. Double ébullition. Ah, ça fait tellement mal. Si le Cisaiox se réveille, c'est foutu. Ok. Ça va la brûlure? Non, mais voilà, mais parce que si, à la limite, vous étiez d'accord pour brûler, hein. Parce que bon, je sais que je vous aime, hein, mais bon, vous êtes supposé brûler, hein, un peu, une fois dans votre vie. Non, bah d'accord, bah, écoutez, je propose que... Bah, écoutez, vous savez quoi? On va faire comme ça, je vais aller me faire... Non, ah! Que j'aille me faire foutre! Bien sûr, oui! Oh bah oui! Ah bah, ça fait super plaisir, ouais, je vais me faire foutre, ouais. Mais regardez, on doit faire du putain de Protextol, là! Non, attends. Merci. C'est vrai, hein, en vrai, on a vécu un moment incroyable. Ok. Ah, allez, le coup de jus, ça fait tellement mal. Abri. Oh non, pas de cendre sacrée. Ok, il reste juste lui. Les guérisons. Oh putain, gars, il était dur ce combat. Hein. Heureusement que j'avais les potions, hein, parce que sans potions. Merci beaucoup pour ton don, mais non, je n'utilise pas de cendre sacrée. Mais comment c'est possible? Nous sommes censés être les dresseurs les plus puissants. On vous a sous-estimé. Vous pouvez passer désormais. On est à la fin, on ne peut plus reculer. On doit à tout prix empêcher Zash de ramener Koryos. J'ai plus que 4 Pokémon, ça sent la mort, ça sent tellement la mort. J'ai que 4 Pokémon, les mecs. Je crois que c'est le moment. J'ai Freeze Beat. Les mecs, j'ai tenu jusqu'au bout, mais là, je suis sur le point d'affronter genre le boss... Le boss de fin avant la ligue avec 4 Pokémon, dont 2 Pokémon ultra défensifs. Je veux pas y aller. Merci quelque chose pour ton sponsor. Je veux pas y aller. Ok. Ah, j'y suis allé. Fifo, regarde. Oh bah donc ils sont nombreux. On va faire quoi maintenant? On est peut-être dans les meilleurs dresseurs de la région, mais ils sont beaucoup trop nombreux. Voilà, enfin, vous comptez vraiment vous battre contre nous tous? Mais n'oubliez pas qu'on est plus de 300. Si vous arrivez par miracle à nous battre, il sera trop tard puisque Koryos va arriver. Je serai le dresseur le plus puissant du monde. Attendez. C'est bon, je suis là. Quoi? Pourquoi es-tu là, espèce de traître? Ah oui, c'était... On le savait que c'était un traître, on l'avait vu. Tu fais partie de la Team Steam, Victor? Oui, mais ce n'est pas la question. Je vous dirai tout quand tout sera terminé. Tu as raison, mais comme tu vois, ils sont une armée. Ne t'inquiète pas, j'ai tout prévu. Tu crois quoi? Une personne de plus te changera rien même si tu es au niveau de Dylan. Président, vous dites n'importe quoi. Un faible comme lui n'est pas du même niveau que moi. C'est la vérité pourtant. C'est pour ça qu'il était le leader de la team avant toi. Comment ça? Tu étais un leader de la team Steam? Je ne te crois pas. Stop, on termine ça et on en discutera plus tard. Tu as raison.
Il y a du renfort qui arrive. Oh Samuel, let's go. Il y a Peter. Moi, le maître dragon. Et regardez là-bas. Regardez. C'est Zerator. Et là, c'est Squeezie. Et là-bas, c'est Normal, une petite fille de 16 ans. Regardez. Mais oui. Mais au loin, Angelina Jolie et Brad Pitt. Merci beaucoup. Moi, le maître dragon. Incroyable, incroyable. Incroyable, Napoléon. Et regardez là-bas, c'est Jules César. Il est revenu d'entre les morts. Moi, Cynthia, je vous empêcherai de dominer le monde pour le bien de tous les Pokémon et des habitants du monde. Oh là là. Oh bah putain. Je suis là aussi. Ah, t'es qui, toi? Pas moyen de s'entraîner tranquille à cause de vous, je perds mon temps. On va pouvoir contre-attaquer. Charge-toi d'Ariane. Oui. Je vais te régler ton compte, sale gamine. Samuel, toi, vas t'occuper de Mars. Tout de suite. Anthony, charge-toi d'Elio. Oh là, ils sont tous là. On se charge de tous les sbires. Oh putain, ils prennent tous les sbires à deux. Je m'occupe personnellement de Dylan. Le président va voir si je vaux mieux que toi, sale traître. On va voir ça. Moi, je me charge de Giovanni. Bon, du coup, moi je me charge de qui, en fait? Comment as-tu pu tomber aussi bas? C'est de la folie de faire revenir un Pokémon qui a failli détruire notre planète. Tu veux chercher la guerre ou quoi? Vous trompez sur toute la ligne, je ne cherche pas à détruire le monde. Au contraire, je veux la paix éternelle dans le monde entier. Comme si on allait te croire, l'incident à l'usine de Pokéball ne te dit rien? Tu es une dizaine de policiers juste pour avoir des mémoires balls? Je le sais, hélas, mais ce n'est pas ma faute. J'avais sérieusement réprimandé Giovanni. Giovanni? Tu as tué des policiers. C'est pas super bien. Tu arrêtes maintenant, Giovanni. Giovanni, au coin, pendant 3 minutes. Et tu réfléchis sur ce que tu viens de faire. Je te confisque tes cartes Pokémon. Si j'avais été là, jamais je ne l'aurais laissé faire ça. Mais bon, ce qui est fait est fait. Revenir dessus est une perte de temps. Sauf que ça reste impardonnable. Dracaufeu, il faut vite stopper et calmer Arceus. Dracaufeu. Oh, il a poussé. Je ne te laisserai pas faire, grr. Et moi, je fais quoi, là? Ah, je sauvegarde. Ça va, Cynthia? Yo, what's up, bitch? Ah bah c'est bien, et pour une fois qu'ils font tous des choses. C'est beau, hein. Ils interagissent pas avec moi, hein. Ils s'en battent les couilles de moi. C'est des murs, les trucs. L'effet du répulsif s'est dissipé. Attendez, on va utiliser un max repousse pour repousser Koryos. Bon alors, comment on gère Koryos? Avec Frisbee, je pense. Ce serait tellement drôle. Tu as énormément progressé, Fifou. Ma mise en garde quand je t'avais vaincu ne servait à rien. À vrai dire, je m'en doutais, mais je voulais voir à quel point tu allais progresser. Non, je vais affronter Zash. Je ne suis pas déçu, mais nos idéaux ne sont pas les mêmes, ce qui est fort regrettable. Je ne te laisserai pas te mettre en travers de mon plan, cette fois-ci. Je me donnerai à fond. Les mecs, il nous faut du, là, je suis désolé, mais là j'ai pas confiance en moi. Il me reste que 4 Pokémon. Il nous faut Darude Sandstorm. Je suis désolé, mais... Les mecs, je compte sur vous. Vous êtes prêts? On a un Pokémon niveau 12! Le fameux Tyranocide, mais c'est trop bien! Toxique! La fermeté de Frisbit! Avec le Toxique! Let's go! Attends, est-ce qu'on peut utiliser un objet? Non, mais c'est génial en vrai. Let's go, Frisbee! Incroyable! Attends, on peut faire des abris entre temps. Hop! Let's go! Frisbee! En avant, mec! Tu peux le faire, mon petit! Incroyable! Abri! Il va mourir, hein. Oh là là, on a tué Tyranocide. Ok. Oh merde, j'avais oublié qu'on était... Il va prendre Bélier. Non, pas Bélier. Non mais attends, Frisbee. Il
a pris 15 000 points d'XP. Il va prendre mes... Let's go! Freeze beat! Ok, il est niveau 22. Hyper potion. Oh, il a fait colère. Il a orbe vie. Non mais les mecs... S'il se frappe dans sa confusion, ça veut dire que je peux toxique. Et il a l'orbe vie! Incroyable! La confusion! Ok. S'il se frappe dans sa confusion, je le toxique. Oh là là! Let's go! Incroyable. Non, guérison, bâtard. Ok, c'est pas grave. On est toxique. Frisbeat, les mecs. Ne l'oubliez jamais. N'oubliez jamais Frisbeat. Ok, c'est sûr qu'il va refaire guérison de merde. Il est en train de baiser toutes ses guérisons. C'est trop bien en vrai. Frisbeat en avant. Incroyable. Oh, on tente le double abri. On tente le double abri. Le double abri qui passe. Tellement cher. Triple abri. Non, provoque. Oh, le provoque. Deuxième kill de Frisbee. Oh, il va prendre Vantardise. Oh. Le Pokémon de l'enfer. Le héros que personne n'attendait. Mais qui est présent? Oh, par contre, Métallos, je peux pas. Non, mais c'est de la truche, Métallos, par contre. On avait dit non, on avait dit pas Métallos. Attention, parce que s'il se booste en attaque, on est vénère. Hein. Oh, le burn instant! Et maintenant, c'est El Monstro R qui fait le table. Les Pokémon défensifs, les mecs! Les Pokémon défensifs! On va pouvoir soigner Frisbeat pour le prochain combat. Abri. Ah mais c'est trop bien ce jeu. Incroyable. Oh, il a augmenté son attaque mais il est mort, dommage. Oh bah alors. Ok. Attends. Maganon, on est d'accord, ça base pas à Flabiche Plouc. Ah bah ouais, c'est trop fort, hein. Frisbeat, jamais dans nos cœurs, les mecs. Hein. Allez, psycho. Oh, ça tue pas. What? Oh, le burn. La plénitude. Ah, il fait explofort, ça. Non, il m'a baissé ma défense spéciale. Après, je suis à plus de gens. Oh là là. La team de l'angoisse, quoi. Putain, je vous jure. Mais bon, hein, c'est comme ça qu'on gagne. Hein. C'est comme ça qui. Depuis quand Kabutops a coup bas dans sa vie? Oh là là, Régistil. Attends. Oh, on a El Monstro R, c'est notre choix. Ok. Allez, ébullition. Oh non! Non! Ok, il faut qu'on le brûle, hein, parce que sinon c'est chaud. Hein. On va le pépé waste. Hein. Oh, le séisme qui fait des bons dégâts. T'es un peu chiant, hein, Régistil, là. Avec ton pouvoir antique, là. Allez, un petit son, un petit... petite ébullition burn. Voilà, merci. On met quoi du coup là? C'est quoi mon meilleur odd? C'est Roseline, mur de fer. Ah non, c'est. En vrai, il fait vraiment pas très très mal. Après, en vrai, s'il me crit là. Hmm.
Bah déjà il vient de faire marteau point là le Registeel, donc oui c'est, on peut appeler ça un retour de karma je pense. Ok, on s'en va. On s'en va les mecs. On s'en va. Oh mon dieu, vous êtes... le marteau point. Non mais par contre ça suffit là, les pouvoirs antiques de l'enfer là. Combat incroyable, hein. Vraiment combat de fou. Hein. Regardez comme on n'arrive pas à le tuer. Heureusement qu'il a utilisé toutes ses guérisons grâce à Frisbeet. Parce que s'il avait eu des guérisons là, s'il avait eu des guérisons les mecs, on était vraiment dans le mal. Hein. C'est pas une blague. Hein. En vrai, attends, on est d'accord, il passe absolument pas Flash Beep Look. Donc là, normalement, on peut faire genre plénitude. Plénitude soin. Ah, il a la tête de fer quand même. Ok. Ah, il est brûlé. Allez, soin. On remet une plénitude parce que je veux vraiment le one shot pour pas que. Au cas où il a une dernière guérison, ça passe, tu vois. Là, je pense qu'on tue. À quoi qu'il a plus un. Bon, attends. Dernière guérison, dernière plénitude, comme ça, on est vraiment sûr à 100%. Il faut qu'on se soigne aussi pour préparer l'éventuel combat contre le prochain mec. Je sais, hein, mais il faut jouer safe, les mecs. Hein. Il me reste que 4 Pokémon. On veut gagner. Le but, c'est de gagner. Hein. Le but, c'est de gagner. Ok, parce que là, il est mort. Hein. Ok. Donc là, on a soigné plus ou moins notre équipe. C'est bien. Soin. Et là, on est prêt. Maintenant, si on se tape le légendaire, on est éventuellement prêt. Incroyable! Incroyable, incroyable. Comment? Je pensais pas que tu serais devenu assez puissant pour réussir à m'en battre. Ah, c'est Frisbeet, hein. Mais c'est trop tard, plus personne ne peut arrêter Arceus. Non, Koryos, c'est donc lui Koryos. Je ne peux pas me permettre d'avouer ma défaite comme ça. J'ai hâte de voir à quel point ce Pokémon est fort. Attends, je vais te soigner ton équipe. Ah, merci. Tu as déjà gagné contre Dylan. Mon Regirock, contrairement à son Regis, sait se battre tout seul. Je peux donc aider Fifou pendant que mon Regirock s'occupe de Dylan. Je vois, tu as conservé le Pokémon que je t'avais donné quand tu étais devenu le leader de la team. Oui. Koryos a réussi à tout vous vaincre. Koryos m'a pris par surprise, je peux plus me battre. Le Dracaufeu de papa n'a plus... Non, papa! Ton Dracaufeu n'a presque plus d'énergie, papa. Frisbeet. C'est le moment. Koryos! Le légendaire Koryos apparaît! Ah, il a revenant. Oh la musique! Oh la musique est stylée! Oh, il a jugement! Tu fais zéro! Abri! C'est Bad Drogue, le retour de Bad Drogue, il en a plus rien à foutre. Oh, plus aucun respect pour le jeu. Fais Antise. Ah non, Antise ça passe à... Frisbeet! En avant mec, en avant mon gars. Frisbeet évolue! Non, il évolue pas. Tu n'évolueras pas, Frisbeet. Koryos est perdu, mais je ne comprends pas, il devrait être surpuissant. Oh putain, non, c'est pas fini! Qu'est-ce que... Comment c'est possible? Il a pourtant été vaincu. Koryos a atteint sa forme parfaite, je ne vois que ça. Ils doivent sûrement tester la force de Fifou. Les ténèbres se répandent sur toute la région d'Exodus. Non, regardez, les ténèbres se répandent! Prof Bro, mais que se passe-t-il? Oh non, il fait noir!
Toute la région est submergée par les ténèbres. Je ne m'attendais pas à ça. Ce Pokémon est encore plus impressionnant que je ne le pensais. Ça doit être sous cette forme qu'il a rivalisé avec Dialga, Palkia, Giratina et Arceus. Fifou, affronte Corios avant qu'il ne récupère toutes ses forces. Comme tu le vois, plus personne ne peut se battre. Il n'y a que toi qui peux le vaincre maintenant. Moi, je me casse, hein, j'en ai rien à foutre. Les mecs. Il n'y a qu'un seul espoir. Cet espoir, c'est Frisbit. À l'attaque! Il va être de type acier, vous inquiétez pas, ça va pas passer. Hein. Ah! Il a une attaque qui s'appelle Annihilation d'Im. Hein. Niveau 31 qui a vaincu le légendaire ultime invincible qui avait vaincu Arceus et qui avait vaincu Dialga, Palkia et Giratina. Le respect est complètement mort. Il a pris ténacité. Incroyable. Frisbit, tu fais officiellement partie de l'équipe. Après ça, c'est... Non, non, tu n'évolues pas, par contre. Hein. Cory! Incroyable, si j'en train de rêver. Comment Cory Osset, il était vaincu? Oh, merci beaucoup, Thor. Mon plan est un échec total. La puissance de fermeté toxique. Monsieur le président Zash, vous êtes en état d'arrestation. Je vous félicite d'avoir sauvé la région tout entière. Nous avons réussi à arrêter tous les criminels sauf un. Mais on réussira à l'avoir, je vous le promets. Sur ce, je vous souhaite une bonne continuation. Tu l'as fait, Fifou. Tu es vraiment un rival digne de ce nom. Du coup, Victor, tu étais vraiment un commandant de la Team Steam? Oui. J'avais reçu une mission des forces de police internationales il y a 2 ans. Je devais infiltrer la Team Steam pour avoir des informations sur leur plan. J'ai donc monté les échelons jusqu'à devenir commandant. Quand j'ai su qu'il allait faire revenir Corios, j'ai informé tous les champions d'arène de la région et mon supérieur des forces de police, appelé les maîtres des ligues des autres régions. Quand je vous ai connu, je savais que vous alliez devenir des grands dresseurs. Je vous ai donc aidé en toute discussion. Ça n'a pas dû être facile d'atteindre la Team Steam. En effet, mais maintenant tout est terminé. Tu comptes faire quoi? Je vais remplacer Zash en tant que champion d'arène. Merci beaucoup. Je serai désormais le 8e champion d'arène de la région. Je passerai t'affronter une fois que tu seras devenu champion d'arène. Avec plaisir, je vais tout de suite informer mon supérieur que la mission est un succès total. Bonne chance pour la suite. Fifou, il nous reste une dernière étape en tant que dresseur. La Ligue Pokémon. Et là, je montrerai à tous que je suis le meilleur dresseur. Il faudra d'abord traverser la route victoire. Elle est au nord de la route 1. J'ai hâte de t'affronter en finale. Incroyable. Ce Pokémon de l'enfer. Frisbit, les amis. Frisbit, c'est lui. Ne l'oubliez jamais. Il était là quand nous avions besoin de lui. Ah. Ah, merci. S'il est... Oh, les... Non. Frisbit, attention! Incroyable. Non mais Frisbit, les mecs. Hein.
Je pense qu'on est content là. Je pense que c'était un grand moment de live là, les mecs. Hein. Bon, attendez, on n'a pas fini le jeu. Hein. On n'a pas fini le jeu. Hein. Il nous reste la ligue, les mecs. Mais c'est vrai que. C'est vrai que c'était un moment assez fun hein, quand même. Faut bien l'avouer. Faut bien l'avouer. Le petit fermeté spam là. C'est pas du beau jeu. Mais non, mais vous êtes ouf. Hein. Si vous trouvez que c'est pas du beau jeu, les mecs, arrêtez. Franchement, vous êtes de mauvaise foi. C'est de ouf du beau jeu. C'est trop cool d'avoir fait ça. Non, mais je sais. Mais c'est bien que ce soit passé là, tu vois. Pause bleu, merci beaucoup. Le pire moment, t'as gâché tout le dégât. Oh, mais ça va, mais Ramzika, mais je sais, regarde. Mais regarde, Ramzi. Mais attends, regarde ce que t'avais dans ton cul. Mais voilà pourquoi t'étais chiant. Bah oui, une lampe de chevet. Oh, bah c'est gros quand même pour toi, même pour toi, hein. Bon, Ramzika, bah oui, voilà. Bah en plus, voilà, alors en plus, si t'essayes par le bouquet large... Par Ramzika, putain! Quand même! Voilà, quoi! Oh, mais je suis... Ouais, mais je pense que, voilà, c'était difficile de le savoir. Peut-être que t'avais pas réalisé que t'avais une énorme lampe de chevet dans les fesses. Ah bah alors! Ah, le sprite de Frisbee, c'est obligé! Alors, attendez. Je le mets instantanément. Je sais pas comment il s'appelle, par contre. Comment il s'appelle en anglais ce Pokémon? Exactement, Frisbee c'est différent. Bon, attendez, il faut que je retrouve ce Pokémon là. Il s'appelle Bastiodon. Le petit de Bastiodon c'est Shieldon. Voilà. Oh là là, Frisbee. Frisbee, tu as ta place dans l'équipe clairement. Incroyable. Il a mérité son évolution. Vous voulez qu'on le fasse évoluer? Mais si on le fait évoluer, ce ne sera plus pareil. Moi je pense qu'on le fait pas. On le fait pas évoluer les mecs. Bon alors du coup il faut qu'on aille où? À la route victoire. Alors attends, c'est où la route victoire? Carte. Non, attends, c'est où? Ah oui, carte. Alors la route 1, c'est où? Route 13, route 4. Forêt de l'angoisse. Ah, c'est là, ça a l'air d'être là, là. Route victoire, ok. Faut que j'aille à Stoton. Faut que j'aille à Stoton. Stoton. Après à droite. Désolé, mais un point de vue. Alors, je suis désolé. Je pense que la grande majorité des viewers ont trouvé ça très très drôle. Les mecs, est-ce que c'était cool? Oui ou non? Non, non, c'était cool. Non, non, vous avez assisté à la création d'un nouveau moment de légende. De toute manière, on l'aurait eu avec Toxic parce qu'il a l'air extrêmement puissant. Donc, non, non, c'était franchement très drôle, les mecs, faut arrêter. Route victoire, droit devant. Ah, ah bah voilà, 95% des gens ont trouvé ça très drôle, donc c'est bon, je pense que là, voilà. Non, non, mais c'est pas parce qu'il y a trois psychorigides qui vont me dire comment jouer au jeu. Non, mais en plus, abusez... Non, mais vous êtes les pires gars, parce qu'à chaque fois, c'est pareil. Genre, quand il y a des... C'est les mêmes mecs qui disent quand il y a un Pokémon qui meurt. Oh là là, Fildrong, non, mais on dit que tu peux utiliser des cendres sacrées et tout. C'est les mêmes gars qui disent... c'est trop facile le jeu, t'es trop haut niveau, t'es trop machin. Donc voilà, quand je suis trop haut niveau, quand j'utilise pas que des attaques offensives, c'est pas du jeu. Si j'utilise un Pokémon bas niveau pour vous montrer une stratégie de bas niveau, ça vous fait pas rire.
ma bite, mon zboum, mes couilles, au bout d'un moment, les mecs, désolé de vous le dire, mais je vous pisse à l'arrêt, quoi. Faudrait voir à pas non plus se foutre de ma gueule, quoi. Alors, c'est une zone, ça, attention. Alors, ça, c'est une zone. Alors, on va ébullition. Vous avez juste le seum parce que j'ai pas galéré, en fait. Mais, je suis pas obligé tout le temps d'en chier ma race. Je peux aussi, de temps en temps, avoir un truc qui est adapté. C'est pas mon problème, moi, ça, hein. Je suis désolé, les mecs. On va l'appeler psychorigide. En l'honneur de tous les psychorigides du chat qui savent comment jouer, mais moi je sais pas comment jouer, ou alors c'est pas drôle. Prout, caca, prout, hein, voilà. Ah, bah merci beaucoup. Merci beaucoup. Et je te remercie quand même pour ton don, le mec d'avant, même si je suis pas du tout d'accord avec ce que t'as dit, c'était quand même très gentil. Bon, ok, on a psychorigide dans l'équipe. C'est sûr, en vrai. Est-ce que vous voulez qu'on mette psychorigide dans l'équipe? En vrai, on a... Le problème, c'est que... Ouais. Bon, on verra bien. C'est sympa, en vrai, ce Pokémon. C'est très bulky. C'est une bonne attaque. Bon, on verra bien. On va explorer un peu la zone. Ah, il va y avoir un combat, là. Ah, enfin, Fidron va arrêter d'utiliser psychorigide. Il va pouvoir utiliser Latias avec la Roséam. Ah bah ça, au moins, bah, au moins on rigole. Latias Roséam, ça c'est drôle. Voilà, voilà. Clairement, on est d'accord. Un Latias qui touchote un Minotaupe de type acier parce qu'il a la Roséam, c'est drôle. Ah bah regardez, mais regardez. Ça c'est du gameplay fun. Mais ça c'est du gameplay fun. Bon, il faisait ça depuis le début de la... Non mais ça c'est fun, regardez. Oh mais regardez comment on s'amuse. Ah bah putain. Oh c'est trop drôle, Fidrong. Oh putain, regarde Fidrong. Regardez ce qu'il est en train de faire. Bon, je troll un peu, mais vous me connaissez, quoi. Ah bah dis donc, c'était amusant comme combat. Ah bah oui, hein. Ah bah, oh dis donc. Ah bah ça, heureusement que je regarde un streamer de qualité. C'est pas avec un streamer qui met des Pokémon de niveau 30 contre des légendaires ultimes qu'on s'amuserait comme ça. LOL. Ah, il y a des Pokémon stylés, on a eu un des pires, hein. Franchement, Kangourex, c'est un peu chaud quand même. On aurait pu avoir Metalos là, ça aurait été bien. Bon, allez, on continue. Du coup, il faut quoi? Un max repousse. Attends, on fait Pokévoyeur. Ah, et franchement, pour le coup, là... Ah, il y avait Confined. Mais bon. Et Ferrog, tu utilises tous les... Mais moi, en fait, le truc, c'est que ça m'a tellement fait rire, je pourrais même pas en vouloir au pire troll, là, actuellement. Parce que je suis juste... Ça m'a tellement mis de bonne humeur, cette histoire. Il y a très peu de choses qui sont meilleures que cheeser un jeu qui est difficile, les mecs. C'est tellement cool de faire ça dans un jeu. Vous n'avez pas idée à quel point ça m'a fait kiffer, je pense. Le Vénard ! Attends, ça fait plein d'XP, le Vénard. Un Shiny ! Incroyable. Moi, 10 000 abonnés. Fildrong, détruiseur de rêves. Oh, Registeel. Incroyable. Attendez, il y a un Registeel là. Non mais attendez, on va lui mettre Fulmifère à Frisbee dès qu'il pourra.
crois que c'est un marteau point pour one shot. Niveau 70, hein. Ok. Et je vous propose, on switch. Les dégâts que je fais avec ébullition. Ah non, le karma, pas aujourd'hui. Incroyable. Dis donc, le mec qui fait sur... Non mais attends, mais c'est pas possible. C'est quoi ces dégâts? Comment c'est possible de faire aussi peu de dégâts? Merci beaucoup, monsieur. Mais attends, mais c'est pas possible. On fait zéro dégâts. Mais attends, mais c'est quoi ce Pokémon là? Eh ben. Ah, il a besoin de repos, le pauvre Registeel. Putain, il y a Registeel ici que tu peux réaffronter, quoi. Bon, il a surpuissance, hein. Le problème de Roselyne, c'est toujours ça, hein. C'est... tellement de saloperies dans ce... Oh merde! Non, non, il peut pas. J'ai bâillement, j'ai ébullition. Après, ça dépend, hein. J'ai repos surtout, il peut pas battre avec repos. Après, il la provoque en vrai. Mais comme je suis plus rapide que lui, il peut pas passer. Mais non, du coup, ça marcherait pas sur ma team. Attends, je vais utiliser quoi, un max opus? Ah oui. Il y en a là, là. Petit passif. Faut qu'on aille se soigner par contre, là. T'as attrapé Kangouax au... Non mais Registeel après. Heureusement qu'on n'a pas attrapé Registeel, les gars. Si on avait attrapé Registeel... Oh. Vous savez que Registeel, c'est un autre Pokémon très défensif. On aurait recommencé les Toxicabri. Et là. Alors là, vous vous seriez même pas énervé là. Mais on peut tolérer Toxic sur un ou deux Pokémon. Mais bon, si je commence à utiliser ça sur toute mon équipe, vous allez tellement péter des câbles, il va y avoir des gens qui vont tellement m'insulter dans le chat, putain. Non, non. Point de stall, trône en faux. Les gens... Rassurez-vous, de toute manière, contre la Ligue, je pourrais pas le faire. Enfin, non, attends, je suis en train de lire le don à moitié. Mais ouais, le merci beaucoup pour ton don, déjà. Et ensuite, ouais, la ligue, il n'y aura pas les objets, a priori, parce que c'est comme les dresseurs. Donc du coup, je ne pourrais pas refaire cette technique. Cette technique ne marchait que une fois, en fait. Mais c'est ça qui est beau. C'est qu'on a un frisbeet qui a fait un truc incroyable. En vrai, on va le faire évoluer. On va essayer de le mettre dans l'équipe. Ça se trouve, on peut le jouer dans l'équipe, hein. Qu'on essaye de pécho un Levenard, qu'on tue le Levenard, et il va level up très vite. On va voir ça. Ah ouais, non mais c'était un moment qui m'a fait tellement rire. Rien que pour ça. Ah, je suis désolé, merci beaucoup pour ton nom, mec. Non mais je suis obligé de le faire évoluer, mec. Comment ça, pas évolution? Non mais, ok, alors, ok. Vous préférez, on le fait évoluer et on le met dans l'équipe, parce que la stratégie de niveau 1 ne marchera pas si on n'a pas d'objet. Ou alors, on l'enlève de l'équipe. Non mais on n'a pas vraiment le choix, les mecs.
C'est soit l'évolution et on essaye d'en faire un Pokémon utilisable dans l'équipe, soit on... Non mais même avec Fumifère, si on peut l'utiliser une seule fois et qu'on n'a pas de soin derrière, c'est la mort les mecs. Ah, il y a un grand débat là dans le chat là. Vous n'êtes pas sûr. Mais dans l'équipe. C'est en vrai, je pense les mecs, vous devez voter. J'ai l'impression que vous êtes très je comprends, j'arrive pas à savoir. Non mais un Fear ça marchera pas sans objet les mecs. Il a pas effort ce Pokémon. Donc non ça marchera pas, il a pas effort. Il a pas effort. On fait quoi? Range-le pour que la légende reste à jamais. Fais-le évoluer pour peut-être qu'il accède au rang supérieur. Voilà. Il y a un débat. Soit on le fait évoluer et il perd le côté Pokémon bas niveau, mais du coup il peut peut-être aller plus loin dans la légende, mais il peut aussi perdre comme une merde. Soit on le range dans la boîte et on dit que la légende reste à jamais Frisbit. Reste à jamais ce Pokémon incroyable. Vas-y, je vous mets le lien là dans le... Je vous mets le lien dans le chat. Je regarde les résultats. Je vous mets le lien, hein. Vous en faites pas. Il y a grand débat et franchement, je ne... Evolurock. Bah en vrai, avec Evolurock, je sais même pas si ce Pokémon est... Attends, comment il s'appelle? Shieldon? En vrai, on peut lui mettre... Vous voulez qu'on lui mette l'Evolurock? On peut lui mettre l'Evolurock, mais bon... De type passier. Ouais, c'est vrai. On peut évoluer Rock. En vrai, on peut tenter l'évoluer Rock. Allez. Oh, il va prendre Fulmifère. Incroyable. Ok, vas-y. C'est quoi son set abri toxique Fulmifère? Allez, je veux bien tenter comme ça. Le Shieldon Fulmifère. Incroyable. Je ne l'ai pas fait évoluer. C'est officiel. Ce Pokémon n'a pas évolué. Et quoi en dernier repos du coup? Bah du coup en dernier c'est repos les mecs hein. Parce qu'il peut pas se soigner ce Pokémon. C'est repos en dernier comme attaque. Repos. C'est où repos? Comme ça. Bon bah écoutez écoutez, vous savez quoi? On va aller sur Twitch. On va aller sur Twitch et on va discuter de tout ça un peu plus posément les mecs. Je pense. Voilà, hop. On va faire comme ça. Je vous envoie le lien Twitch. Vous pouvez aller sur Twitch. Les modos vous mettent le lien Twitch. En tout cas, c'était un live excellent. La semaine prochaine, on va faire la route victoire. Je sais pas si on fera la ligue la semaine prochaine en vrai. On va voir. Ça va dépendre de la difficulté. Si à la route victoire j'arrive au bout et que j'ai que deux Pokémon, on attendra. Mais on fera du post-game, on fera des explorations ou je sais pas quoi. Donc voilà, merci à tous d'avoir regardé ce live. Mettez le pouce bleu de l'amour évidemment si vous voulez soutenir la chaîne, c'est très important. Je vous fais d'énormes bisous les mecs. On se retrouve tout de suite sur Twitch pour le post-live habituel pour entraîner la nouvelle team. Et en attendant la prochaine, je vous dis tchuss, à lundi prochain pour la route victoire et peut-être la ligue.